Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfon pour un nouvel épisode sur HeroQuest en compagnie de Pierrick. Salut Pierrick! Salut! On est avec aussi Anto. Anto! Bonsoir! On est avec bvv.com. Bonsoir, date.fr. Ah ouais, d'accord, excusez-moi. On est avec Arthur qui est en train de se marrer parce qu'il va pas tarder à crever. Salut Arthur! Yes! Bonjour! Et de notre très silencieux et très furtif voleur, Bobby Lupo. Salut. Bonjour. Voilà, donc résumé de l'épisode précédent, ça tombe pour bvv.fr. Ouh! Vas-y, résumé. Alors, le résumé précédent, le nain a enfin réussi à tuer un squelette. Mais il lui reste encore un, donc ça va pas être évident. Et visiblement, on a découvert la grosse gargouille de Felmarg. Et ça va être chaud. Voilà. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Très bon résumé, je pense. C'est vrai que c'est un épisode très tourné autour du nain. Mais pas que. Bon, je pense qu'on a oublié un petit résumé sur un personnage. C'est une illusion d'optique. Moi, j'ai rien eu d'autre, moi. C'est vrai que c'est devenu plus un monstre qu'un personnage joueur. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je vous prierai de cesser de me plinguer. C'est trop loin pour voir ça, moi. Et pour le comprendre, surtout. Ok. Bah, ouais, pour le coup, ouais, moi aussi. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Mais je sais pas, mais je vais le dire. C'était à Bobby. Ouais. C'était donc à Godefroy. Godefroy, notre voleur ici présent. 12, incroyable. Où vas-tu, maître voleur? Oula. Ah oui. Ah, il y va quoi? Ah oui. Pour le score. Ah, c'est pour le sport, hein. Tu vas où, maître voleur? Tu peux si tu veux, hein, t'as assez. Un courageux. Alors, je l'attaque, donc j'ai un dé en plus, vu que je suis le premier. Exactement, est-ce que tu sacrifies un dé de défense? Alors, je regarde le cumulé d'attaque. En sachant que tu es effrayé par cette salle, parce que tu oublies de le dire, mais tu es effrayé par cette salle. Voilà. Ah non, tu es... pourquoi? Pourquoi? Parce que dans cette salle, tu vois un Fimir, qui est un démon, ouais. La gargouille de Felmarg, donc le lieutenant de l'armée, un zombie, une momie, ah oui, un zombie, une momie, et un chaman orc. C'est la salle du chaos. Et au passage, tu viens de voir un phénomène étrange qui vient d'arriver dans ton pantalon, tu viens de voir 4 paires de couilles pousser d'un coup, en fait. Parce que le gars il est parti, il se fait une armée. Hein. Il s'est dit, devant la porte, je les prends un par un. Je n'ai rien à faire. On fait des 1-1, frère. Viens ici, t'es dans mon quartier maintenant. C'est chez WAM. Voilà. Alors que dans la salle, c'est bonjour et bienvenue à ce meeting. Du coup, ce que je fais, c'est que j'attaque pas. Même si. Je ferme la porte. Pareil, non, c'est là. Ah, tu fermes la porte et tout. Porte. Ah, j'ai. Donc tu fermes la porte, ce sera ton action, voilà. Monsieur. Tu fermes la porte. Et ça. Par contre, tu viens de voir tes deux boules disparaître. Hein. Et ton pantalon est très mouillé. Ton pantalon est très très mouillé. Je suis un homme de pouvoir à la base. Hein. Et en plus de ça, pour en rajouter encore à l'effet de peur, c'est en train de se friter dans cette salle. C'est la guerre quoi. T'as un doute. Hein, voilà, c'est ça, t'as un gros doute. Voilà. Et au passage, tu ne vois plus Franluin. Hein. Oui, je sais que je ne vois pas. Ouais. Gros doute. Voilà, donc t'as un front loin, je t'en prie. Très bien, c'est un front luin qui a disparu. Donc front luin, tu viens de voir une porte se fermer, hein, comme ça. Schlack. Bon. Visiblement, visiblement cette porte vitrée, elle se referme toute seule, tu sais. Elle a un groupe. Oui. Comme à l'aéroport. Je vais utiliser un sort de sommeil. Très bien, pour endormir quoi? La gargouille. La gargouille. Sommeil, votre cible s'endort et ne peut rien faire, ni même se défendre. À chacun de ses tours, elle lance un dé ordinaire par point d'esprit. Avec un 6, elle sort immédiatement de son sommeil. Très bien. Je lance 4 dés. C'est noté. Très bien, très bien. Mais c'était pas son tour. Exactement. Donc, tu peux ranger ton. Enfin, mettre ce sort. Voilà, c'est ça. Dans la pile de poubelle qui la concerne. Voilà. Exactement. Je ne pense pas avoir la possibilité de lancer un deuxième sort. Non, tu n'as pas la possibilité de lancer un deuxième sort. Par contre... Mais tu peux te déplacer. Est-ce qu'il va encore m'arriver un bordel magique? Trop temps. T'es obligé de te déplacer, hein. Ah si, tu peux y lancer. Non, c'est bon. 7, donc 7, que fais-tu?
Lève ta protection des deux mecs devant. 1, 3, 4, 5, 6. Ah ouais non, je peux même pas me... je m'assois au trône. Tu peux mourir, autant mourir de manière classe. Tu peux te poser de manière complètement swag, c'est ton droit. C'est un peu plus swag que ça, s'il te plaît. Ouais. Donc tu t'assois sur le trône maudit de Felmarg, tu prends la malédiction de la chaussette bleue. Donc toutes tes chaussettes deviennent bleues et tu perds 2 points de vie par chaussette que tu possèdes. Donc tu possèdes 4 paires de chaussettes sur toi. Je suis un mage très précautionneux. Du coup tu es mort. Voilà, c'était bien. Je suis sûr que t'as kiffé. Hein. N'oublie pas d'aller voir l'épisode et de mettre un pouce bleu, bien sûr. Pouce bleu. Un pouce bleu, c'est une tentative de sauver l'enchanteur. Du coup, je te mets à moitié sur la table. Voilà, c'est swag. Ouais, t'inquiète. Voilà, tu te sens swagué à l'infini, quoi. Très bien. Warg. Très bien. Donc toi, tu vois à travers la serrure si ça t'éclate de voir un chaman qui semble déclarer une guerre incroyable, excité par la wag, par le sang, la mort et la destruction, avec un combat de mamie à côté. Tu sais, genre lui, il est trop chaud, la guerre et tout. Et à côté, t'as des vieux zombies comme ça. Personne qui touche personne comme ça. La gargouille qui comprend pas le truc, quoi qui se passe quoi. C'est le seul qui est chaud. Hein. Les autres sont tous calmes. Lui, un peu plus quoi. J'ai l'impression qu'il est dans une guerre incroyable. Enfin, c'est magique quoi. C'est magique dans son esprit quoi. C'est un orc quoi. C'est autour des invocations d'attaquer. Parfaitement. Je peux faire une petite remarque. On pourrait mettre le marqueur de sort sur la gargouille. Ouais. Oui, bah oui, mais c'est pas à moi de le faire. Baldur. Voilà. C'est pas à moi de le faire. Donc, c'est à tes troupes, donc Mamie. Il y a Mamie qui attaque à 3D. Il y a trop de caracas à retenir. Et il y a des dés qui traînent là. Le mage, c'est n'importe quoi. Le mage, je range rien. C'est n'importe quoi. Je dis moi, un point de vie par dés qui traînent. Mais non, mais laissez-moi, merde. Tu prendrais cher à ce moment-là. À chaque fois que tu laisseras traîner un dé, j'enverrai un squelette de plus contre le nain. Oh, deux crânes, c'est joli ça. C'est très joli ça. C'est une momie très énervée. C'est une mamie. Elle a pas accepté. Qui tape sur un Fimir qui a 3 dés de défense, je crois. Hein. Je le vois pas, ouais, mais je crois que c'est 3 dés de défense. Oui, 3 dés de défense. Ouais. Ok, très bien. J'en ai un, deux, j'en ai trop. 3 dés de défense, paf, Paris, c'est quand vous voulez, il faut se défendre. Paf. Pouit. Alors ? Oh, dur. Très dur. Hein. Alors que ce serait un héros, voilà. Alors, ce qui est bien avec ce finir que vous n'allez pas toucher, c'est que ça a été pris par le chaos et ça revient au chaos. Quoi ? Ah oui. Pardon ? Oh, excellent. Oh, excellent. Messieurs, au revoir. La vaseline. Vaseline. Oh, je suis dégoûté. Donc maintenant, c'est à la momie de pulvériser en un seul tour la gargouille de Felmarg, j'y crois bien. Le zombie. Deux d'attaque contre 5 de def, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Exact. Non, il dort, il peut pas se défendre. Il est en sommeil, il peut pas se défendre. Ah oui, c'est ça, il est en défense. Deux d'attaque. Pouet. Moment, il lance son dé pour savoir si ça aurait été le moment de lancer ta dague. Hein. Se passe rien. C'est des vieux le monsieur. Le zombie éternu en fait. C'est ton deuxième zombie d'attaquer. 1, 2, 3, 4 et 5. On déplace à 5, un zombie, sauf erreur de ma part. Il y a 4 et une mamie. Ouais. 1, 2, 3 et 4. Ouh, c'est vrai, mamie. Donc, oh là, mamie en speedrun. Hein. Mamie en speedrun. Mamie en déambulateur. Donc, nouvelle attaque de zombie. Incroyable. Est-ce que il va lui faire bobo au doigt ? Eh ben non. Zéro. Eh ben non. Non, elle ne peut pas bouger parce que. Parce qu'elle vient d'attaquer. Exactement. Et parce que ça ne lui sert à rien si ce n'est se mettre à portée de se prendre une baffe. Non intéressant. Le trône de bois. Donc ça, c'est fait. Et c'est la fin de ton tour, Franluin. Oui. Parfait. C'est donc à notre ami l'elfe. L'elfe maison. Il comment déplace ça, les coffres. Maison, il range les coffres et tout. Il fait la poussière, mais il se combat pas. Essaye de faire plus de deux. Les déménageurs elfiques. Yes.
Il a fait excellent. 3. Non mais c'est la honte. C'est quoi cet elfe en mousse? Non mais en fait, je suis un elfe d'origine noble. Donc ah, du coup, genre, ça, je ne me déplace pas de beaucoup. Et en fait, il n'arrive pas à passer la trappe parce qu'il faut se pencher et il n'y arrive pas en fait. Du coup, il a 150 ans. Du coup, je patate le squelette. Hein. Ouais. Pour aider notre ami nain. Oh, par contre, c'est les dés du nain, ça, c'est dommage. Ah ouais, faut recommencer. Ouais, mais c'est pas grave. Non, du coup, faut recommencer. Ah, non, faut recommencer, c'est bête. Hein. C'est dommage. Le mec, il sait même pas où est-ce qu'il clique, hein. C'est quand même très beau. Ah, crâne, bah, c'est bien, tu peux reset tes dés. Squelette 2 dés de défense, hein, ça fait erreur de ma part. Exactement. Paf, allez. C'est 2 dés, ouais. Et qu'un point de vie. T'en as lancé 3. Plac. Hop, j'enlève celui-là. Ça n'a pas de façon, ça ne suffit pas. Le problème, il est réglé. Allez, courage. Voilà. Donc tu arraches ce squelette, bravo. Tu peux prendre le squelette. Il avait fait 15. Non, c'est le truc noir pour bouclier de défense. Ouais, c'est bouclier noir pour eux. Autant pour moi. Voilà. Paris, c'est quand vous voulez. C'est donc notre ami le barbare. Le barbare. Okay, donc, Tu fermes la porte? Genre même pas du tap quoi, mais c'est quoi cette équipe de touristes? C'est Anto qui a parlé. sur la vieille momie. Donc tu tabasses la vieille maman. Ouais, c'est bon. Avec son sac à main, il fait qu'un seul. Un seul crâne. Ok, très bien. Défense de mamie. Attends, mamie fait le marg, elle a pas 4D pour défendre? De toute façon, elle bloque. Hein. Non, elle a 4D pour, défendre, ouais. Mais de toute façon, elle bloque. Donc, on lance les 4. Osef, non, c'est bon. Laisse passer le nain, laisse la place au nain. Ok, très bien. Attends, j'ai rien dit. Oui. Je peux faire un mouvement si je veux. Oui. Est-ce que je peux pousser la momie et pour entrer dans la pièce ou pas? Non. T'es faible. Après, il y a le nain, donc je vais. Enfin, lancer les dés déjà. 4. C'est énorme. Le nain, il est en forme comment là, en fait? Le nain, il a 3 PV, il peut se faire OS, hein. je peux me faire OS. Bon, bah je recule quand même d'un cran. Ouais, ok. Fin du tour pour Goriak. Ok, très bien. Début du tour de... du nain, du trouillard, de Asgal. Ah, le trouillard de Asgal, Asgal, la gale. Ouais, tu fais bien de le dire. Par contre, bon, l'aider, s'il vous plaît. Ouais, rangez votre bazar. Schnell. Ok, alors... Est-ce que tu vas pas porter tes couilles à deux mains? Alors, 4. je vais m'avancer. C'est vraiment les chevaux en déplacement, c'est beau. C'est beau à voir. De quoi? Oups. Je vais remettre ce nain. Okay. Calmez-vous. Le nain, il se renverse tout seul. Le nain, il est bourré après s'être fait tabasser par des squelettes. C'est ça. Ah, ça fait mal au crâne. Donc, je suppose que tu vas tenter de frapper. Ouais. Mamie. C'est ça. Défends avec 4 quand même. Mamie, comme encore. Y a pas de petite frappe. Joli. Le crâne. Mes tromblons. Que dalle. Oh, yes. Tu lui mets tout dans la bouche. Bah bravo. Mais elle a 3, elle a combien de vie? Elle a 2 points de corps, tu peux prendre une mamie. T'as gagné une mamie. Yes. T'as gagné mamie. Bon, une fois que vous avez enfin l'aider un peu avec vous, oui, vas-y. Avance d'une case. J'avance de 2. Et défonce la porte, gros lard. Parce que visiblement, c'est devenu un nain ogre. Agreux. Quand tu fouilles, t'as droit à 2 cases, hein. Mais c'est pas ton tour là, je pense. Attends. Bah, c'est bien déjà. Du coup, est-ce que je peux examiner la pièce quand même? Exactement. Bah, écoute, tu te trouves en présence du tombeau de Felmarg. D'accord. Du tombeau de Felmarg. Et puis, bah, il y a un coffre, mon petit ami. Hein. Donc, tu n'hésites pas, hein. Tu peux fouiller ce coffre. Mais tu n'es pas encore à portée. Par contre, tu peux fouiller la tombe de cet enfoiré. Et donc tirer 2 cartes de trésor, si tu le souhaites. Non mais, d'accord, ouais, d'accord. Voilà. T'as mélangé, c'est bon? Oui, c'est bon. F pour les retourner. Oula, ouais. Alors, tu choisis ce que tu veux. Oh, c'est pas, devine. Ah ben, je prends le coffre, bizarrement. Le lâche, il faut rien. Aucun courage. Sans PO, vas-y, tu prends 100 balles. Tu prends 100 balles et tu remballes, quoi. Attends, comment on fait pour marquer? Eh hey, lâche-moi ce... Quoi? Ah, y'a un voleur qui essaye de regarder, là. Rien à faire ici, là. Voilà, il essaye de ninja des cartes au trésor, le mec, tranquillement. Quoi qu'on l'a pas vu. Non, ok, il se prend tous les trucs.
Ah oui, c'est oh non mais c'est bon, t'inquiète pas, je partagerai avec Goria. Il partagera jamais quoi. T'es sûr qu'il partagera donc jamais. C'est... ok, très bien. L'elfe t'a quand même sauvé les miches deux fois. Oula. Oui mais l'elfe il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure alors que Goria qui est gentil tu vois. Bah écoutez, on va commencer directement par le vif du sujet. Est-ce que notre ami la gargouille se réveille? Je suis sûr que tout le monde s'attend à un oui incroyable. 4 points d'esprit quand même, hein. ça fait un petit paquet de dés. Poète. Non, c'est pas un dé 6. Poète. C'est un dé 6 par point d'esprit, monsieur. D'accord. C'est écrit sur ta carte. Voilà, un dé qui est tombé à côté. Arrêtez! C'est bon. Ça, c'est débugué. Aucun 6. Donc voilà. C'était bien. Pouf. Me lève. Formidable. Et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Alors, comme d'habitude. Bah écoutez, oui, vas-y. Essayer de flipper. Tout ce que t'as entendu toi derrière la porte c'est un bruit de fracas. Le mec en fait il a retourné cette table là. Le flip table. En fait, sur cette table t'as le même plateau avec les mêmes cartes avec les mêmes pions. Facile. Vu que je vois la gargouille dormir, je vais ouvrir la porte. Oui tu vois qu'elle a été frappée d'un sort de sommeil. D'ailleurs donc, tu peux faire un jeu d'esprit. Il faut que tu me fasses 3 okay. Ouais. On verra ce que tu fais. Un seul bouclier blanc. Ok. Ouais. Ce sort, c'est étrange que ce sort soit jeté. Mais voilà. Ok. Bref. Donc bon, j'ouvre la porte déjà. T'ouvres la porte, ok. Ok, très bien. Il y a beaucoup de monde derrière cette porte, hein. Ouais, mais je me rappelle avoir vu le sort de Locke, donc je me doute que c'est lui. Mais non, t'as fermé la porte. Tu te doutes de quoi? T'as fermé la porte, tout ce alors, que t'as entendu, c'est du fracas. T'as rien vu, puisque t'as fermé la porte. Non, mais le sort que j'avais vu dans le grimoire, là. Tu te rappelles pas que j'avais jeté ton sort? Ah oui. Au tout début. Donc je rentre et je tape la momie. La gargouille, pardon. Sauf que tu n'as pas lu le sort et c'est écrit dans une langue que tu ne pichtes pas, donc tu ne sais pas que c'est Franluin. Je ne sais pas, tu sais juste par contre qu'il y a un chaman orc qui est en train de se friter contre la gargouille de Felmarg. Bah, alors ouais, est-ce que mais c'est, notre objectif c'était la gargouille, donc moi je vais. Et momie et zombie et tout. Bénef, quoi. Bref, je prends un risque. Considéré. Je me dis, il se bat contre mon objectif, donc autant tenter. C'est très allié. Donc très j'ai 2 dés. Je vais niquer mes défenses. Ouais, on sait jamais. Tout est des défenses uniques. Ouais, donc ça me fait 4 dés. Pendant ce temps, dans le cerveau de Franluin. Ah, mon XP. 3 crânes. Ah, et en plus, ça peut pas se défendre. Bah ouais, bah il est mort donc c'est bon. 3 crânes et donc tu prends la gargouille. Putain. Franglin va m'attaquer, tu sais quoi, pour se venger. Pour prendre XP. C'est moi. Parfait. Bon bah tu l'as éclaté tranquillement. Très bien. C'est à Franluin. Et il laisse aucun loot les monstres à chaque fois? Gargouille de Felmarg. Bah le problème c'est que tu peux pas trop la loot là maintenant. Enfin je dois... okay. C'est toi qui vois hein, mais le prochain tour tu joues pas hein, et tu défends pas hein, tu fais rien. C'est je suis en train de looter, arrêtez de me manger pendant que je loot quoi. Soyez polis. Ah parce que les gens ils vont attaquer eux. Bah, t'es en présence de morts vivants, donc Ah oh, bordel. Tu viens de me voler une gargouille et c'est pas je que suis t'as un pas averti, hein. Prends-lui un... Bon, tant pis. Franchement, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu veux que je t'aide? Après, t'avais lancé ta gueule de mouvement, tu peux peut-être te rebarrer. Il te reste combien d'esprit, monsieur? Un. Il me reste un point d'esprit. Ouais. Bon, très bien, lance-moi un dé d'esprit. J'ai crevé, les gars. Je t'ai enchaîné.
va tomber dans la tour. Ouais, on va dans la tour. Pour faire un bouclier blanc, monsieur. C'est réussi. Ok, donc tu gardes le contrôle. Ah, je vois. Fais ce que tu veux. Eh ben, je vais me déplacer. Mmh. Tu veux que je fasse semer des mouvements? Ah oui, vas-y. Enfin, je sais pas où tu vas après. Attends de me dire. Déjà, je veux dire, si tu veux juste à côté, je te demande rien, quoi. J'utilise ma capacité, étant donné qu'il me reste 2 points de vie. Oui. Bruh. C'est moche. 1, 2, et je vais fouiller le coffre. Très bien. Donc je fais le point sur ce coffre. Oui, oui, je sais, mais attends, il y a peut-être Bah, tu ouvres ce coffre sans aucun problème. Et il y a 120 balles dedans. 120 pièces d'or. Et je te mets un jeton de recherche dessus. Ou visiblement à côté, parce que je suis pas très doué. Voilà. C'est bon ? Ouais, c'est bon, je rajoute. Autre chose à faire ? J'ai une envie meurtrière, tu vois, après la gargouille que j'ai chié à combattre. Mais on va essayer de la réprimer, donc je dis juste aux invocations de se poster devant la de rester en 60 balles. Ok, ça marche. Ils sont combien? 4, c'est ça? Très bien. Bon, très bien, je vais juste faire un jet de défense. Ouais. Tu regagnes un point d'esprit, monsieur. Oui. D'accord, très bien. C'est fait. Donc tu vois les créatures qui s'immobilisent. C'est fin de ton tour? Oui. Très bien. That's fun. Moi... Donc ça fait un moment que j'ai pas vu Franlin. Du coup, je pense que je vais partir à sa recherche. 11. Oh, non. Bien joué. Speedrun, quoi. 17, 8, 9, 10, 11. À la porte, c'est ça? Alors, la porte. Ouais. Oh merde, j'ai disparu. Ah, oui, c'est pas chef, vrai, j'ai senti de magie. C'est bon, c'est pas grave. Merci. Tu fais de la magie sans savoir en faire, chef. Et sans vouloir en faire. Okay, c'est ça, voilà, bien. Et j'ai fini mon tour. Ok, au barbare qui bouge. Oriac. Qui fait. Je peux même pas m'approcher. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, moi je laisse le nain, t'es d'accord, je te laisse fouiller le coffre et puis tu me donnes la carte avec tout ce que je t'ai aidé. Vu que toi t'en tires deux. Là, le nain? Il dort? Oh non mais oui oui du coup j'étais en train de somnoler là, j'étais posé. Tout ça pour... Je te laisse fouiller le coffre vu que toi ça te fait deux cartes et tu me donnes le truc. Ou pas? On partagera au pire. Ah oui, ça dépend ce qu'il y a dedans. Ouais, j'ai qu'une carte, ça dépend de ce qu'on a et je partagerai. Bon bah je reste à côté de toi alors. Allez hop. Ouais c'est cool, merci. Donc tu bouges pas, tu fais pas plus. C'est bon. C'est ça. Et je regarde s'il y a quelque chose dans la pièce que je suis capable de regarder avec mes maigres capacités, de trouver une porte secrète, un piège, un d'esprit. Truc. Combien? 2, c'est ça, hein? Oui. J'ai... quoi? Ouais. Non. Pas grand-chose. Il y a quelque chose d'étrange dans cette pièce. Et tu peux remballer tes dés. Maître Nain. Ou alors, déjà, j'analyse la pièce plus attentivement, puisque effectivement, je viens d'arrêter de fouiller le tombeau de Felmarg. Mm-hmm. Et du coup, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose de... Vu que c'est le tombeau, au final. Je me dis, mais ça doit être quelque chose d'une pièce très importante. Et du coup, je me concentre pour vérifier. Un jeu d'esprit, s'il te plaît. Encore ? D'accord, alors. Hop, jeu d'esprit. Tout de suite, chef.
Je fais un bouclier. Un bouclier blanc, pas de bouclier noir. Non. Très bien. Déjà, chose importante que tu sais, bonus que tu as parce que tu es un nain, tu avais déjà remarqué que dans la salle précédente, des bouts de mur te rappelaient déjà quelque chose, et maintenant que tu es dans cette pièce-là, elle n'a pas l'air d'être d'une construction grossière de pierre, etc. Elle est bien taillée, elle est très propre, et taillée dans un seul et même bloc de roche. Il n'y a qu'un seul peuple qui fait ça. Ce sont les nains. Par ma barbe. Et effectivement, tu sais que tu vas être bon pour prendre un tour de plus pour trouver quelque chose, car tu es sûr et certain que cette salle renferme un secret. Entendu. Et je peux me déplacer, non ça, tu peux ça te déplacer et taper le coffre si tu veux. Ouais, ce que je vais essayer de faire. Yes. Allez, c'est parti. Bah lui, c'est comme vous voulez. Ah mais par contre, au passage, je pense à prévenir mon ami Goriak. Okay. Ok, j'ai tout entendu. Ok. Voilà, et du coup, je me tâte à regarder déjà. J'essaie de prévenir qu'il n'y ait aucun piège. Toujours précautionneusement. Très bien. Il n'y a pas de piège sur ce coffre. Ce coffre n'est non piégé. Oh, à ce moment-là, je m'en vais l'ouvrir. Tu l'ouvres ? Très bien. Tu prends deux cartes, monsieur. Là. Voilà. Alors. Potion de force ou potion de vitesse ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? De combat. Potion de force. Ouais. Je pense que si tu croises un squelette, ça pourrait t'aider. On va pas avoir raison. Donc tu prends potion de force et tu trouves lâcher. Pardon, excuse-moi. Et tu trouves 84 pièces d'or également. 84. Ok, ouais. Merci. Attends, mais c'est quoi ce nain riche? Bah, c'est pour moi ou pas? Non, mais on partagera, t'inquiète. Ok, d'accord. T'inquiète. Ah vraiment t'inquiète pas pour ça. Bah du coup je après cette action, je continue de scruter les environs pour justement déceler le mystère de cette pièce. Non. Et ça c'est fini pour ton tour. T'as déjà bien abusé. Ok. C'est maintenant à moi. C'est à moi. Alors bon. Vous pouvez voir que j'ai plus tout à fait beaucoup de monstres sur la table. Mais j'en ai quand même quelques-uns. Hein ? Tu transpires bien, tu transpires fort. J'aime bien ta façon de transpirer, ça me plaît beaucoup. Malheureusement, ça attire les momies. Mm-hmm. Donc, une petite attaque à 3. Donc, tu vois. Mais non, attends, j'aurais demandé de rester en stand-by et ils ont obéi. Tout à fait. Toi-même l'as dit. Je te dis qu'ils se sont immobilisés. Je me rappelle très bien ce que j'ai dit. Bon. Et là, il y en a deux qui viennent de bouger. Et qui viennent de lui faire deux crânes. Et il y a des dés qui traînent. Et ils sont pas à moi. Maître là, je t'enlève de l'or. Je perds deux de vie. Hop. Ouh, c'est pas bon ça. Ah oui. Et ce zombie là, qui te lance donc deux dés. Tour d'avant, mais qui t'a enlevé la défense? Ah oui, juste pour tuer la gargouille. Oui. Non, c'est ce tour-là. Il ne te fait rien. Il est. Tu sens qu'en fait, ce zombie, quand il veut t'attaquer, bah en fait, il s'arrête. Et puis en fait, non, il veut t'attaquer. Et en fait, non, il s'arrête. Et en fait, il veut t'attaquer. Comme si, tu vois, presque comme s'il y avait un truc qui le bloquait, tu vois. Presque un mur invisible, tu vois, dans un jeu vidéo. C'est. Okay. Il y a quelque chose qui le. Il bug un peu quoi. Il est pas très bien codé. Comme le nain qui arrive pas à tuer les squelettes. C'est ton tour, Bobby Lopau. Maître Godefroy. Et quand il a un point de vie, le voleur ça lui fait rien lui, il a pas de caractéristique spéciale. Il a la caractéristique. La même caractéristique non. Que tous les joueurs, c'est-à-dire que s'il prend un dégât de plus, il meurt. Euh.
Donc ouvrir une porte c'est gratuit, mais fermer une porte c'est une action, c'est ça? Pour spécialement, ça dépend, ouais, non, bon, vas-y, c'est gratis. Je vais pas t'embêter. Hop, je ferme la porte en sortant. D'accord. Ça fait combien, 7? Je ferme cette porte là aussi. Très bien. attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux plus bouger là. Il a pas été fouillé le coffre, visiblement, y'a rien dessus. Je peux encore bouger ou pas là? Oui, tu peux encore bouger, ouais. Et donc je me mets là et j'attends. Donc c'est, On m'a fait doucement entendre que le nain était peut-être meilleur pour la fouille. Oui, oui, mais et là je veux juste me cacher. Là. Parce que bon, si je chope un monstre errant, je suis dans la merde, donc bon, j'attends ici. C'est vrai, quand on se met le petit monstre, c'est chiant ça. Voilà, c'était un Merlin l'enchanteur. Farluin. Hein. Farluin. Farluin. Ok, alors moi je vais... Pas Franluin, d'ailleurs. Écoute, ras la casquette, hein. Je vais activer un sort qui s'appelle À travers les murs. Mm-hmm. Oh putain. T'es où? Où est parti le sort? Parti de dessous? Il est où? Ah, ok. Il a dû partir dans l'obscurité. Que seul le MJ peut voir. Oui. Il y a que le MJ qui peut voir ça, t'es gâté. Donc en fait, il va me permettre de traverser les murs si le nombre de déplacements me le permet. Faites toutefois à ne pas finir votre déplacement dans la roche. Moi je veux bien que tu finisses ton déplacement dans la roche. Mais pas lancer TD avant. Je suis très tolérant. J'aurais dû lancer TD avant au cas où tu fasses. Non, il peut le faire avant, il peut le faire après, il le fait comme il veut. J'utilise ma capacité étant donné que je suis à 2 PV. Ouais. Oh, 10. Très joli. Où vas-tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Risqué, non? Ah ouais, t'es comme ça toi. T'es un mec ça comme. Alors, j'ai un peu de boulot du coup. Paf, je déclique ça. Mais tu savais ce qu'il y a dedans ou quoi? Par contre, râtelier! Ça sort, disparaît. Il savait. 6, 7, 9. Attends, non. Ici 6, 7, 8, 9. Et je vais rester là. Pourquoi t'es pas allé dans la truc à côté pour revenir là? Très bien. Parce que tel que je suis là, le voleur risque de penser que c'est du harcèlement et donc essayer de m'attaquer. Donc, effectivement, il vient de se passer quelque chose de très étrange. Alors déjà, ta carte, elle va à la défausse, monsieur. Hop. À la défausse. Donc c'est notre ami l'elfe. L'elfe de maison. Rappelons-nous. Ouais, l'elfe, on l'estime énormément. Tu as vu un shaman orc traverser un mur, courir dans le couloir, traverser plusieurs murs, revenir. Et là, il vient de courir et s'arrêter devant toi. On est d'accord que je le connais bien. De quoi? Alors, tu peux me faire un jeu. On est d'accord que Franlin, je le connais, donc ça c'est le type de magie qu'il maîtrise. Ça, on est d'accord. Alors, déjà, Franluin, tu vas me virer t'aider, s'il te plaît. Et disons que, effectivement, Maître Elf, tu intéresses me faire un très bon jet d'esprit, s'il te plaît. Esprit? Ouais, esprit. Toi, normalement, t'as 4D, je crois que t'es pas mal quand même. Ouais, normalement, je suis pas trop con. T'es un bon elfe, normalement. Ça dépend quand. Normalement, t'es pas le genre de mec à boire n'importe quelle potion qui traîne. Ah oui. Ah oui, d'accord. Vraiment, ça t'a fait sursauter. Soit tu fuis, soit tu l'attaques. Tu bandes l'arc que tu n'as pas. Et effectivement, tu notes en plus une chose assez suspecte, c'est que ce chaman, sur le coup, ça te paraît suspect, ce chaman possède le bâton de Franluin, donc il a peut-être tué Franluin. Et effectivement, il a l'air de connaître beaucoup de magie. Après, tu ne connais pas forcément très bien les orques. C'est pas les peuples que tu as le plus affrontés. Ceux que tu connais le mieux, ce sont les morts-vivants. Voilà. Un elfe qui affronte des morts-vivants, d'accord. Oui. Ok, j'ai fait 9. Je vais là. Attends, oui. Merde. Arrête de disparaître. Ici. Oui. Et je patate. Ok. Oui. Combat, s'il te plaît. Hello darkness, my old friend. Here I come to see you again. Ok, bah il te fait un crâne, faut défendre. Il faut se défendre, chaman. Il n'y a pas une tentative de communication Non, j'en ai pris beaucoup trop. Les elfes, ça négocie. Il défend.
Non, attends, j'en ai beaucoup. Oui, t'en as lancé beaucoup trop. Bah, tu. J'en ai beaucoup trop, donc attends, je relance. Tu relances, ouais, le reste. Non, alors ce que tu peux faire, c'est reset maintenant les deux decks qui sont dans la barquette et relancer ta en jeu de défense. Ouais. Voilà. Ça coûte combien un bouclier? Oh, 100, c'est pas mal. Un bouclier. Bah, tu défends quand même. Le combat épique. Donc il se défend avec la dague de Franluin. Le scélérat. Oh, salaud. Scélérat. Et il me reste du coup, attends, 8 points de déplacement. T'as pas un petit sort à lui lancer là? C'est... Attends, il me reste 8 points de déplacement. Hop, je me mets là et je... Alors c'est celui-là. Continue à me replier. Attends, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, voilà. Ok, très bien. Donc tu fuis. Oui, importe le tir. Tu fuis comme un nain devant les squelettes, quoi. Non, 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 non. Et, tu remarqueras que le nain n'a pas fui. Pas encore. Ok, très bien. C'est donc bah, justement au... Non, bah non, c'est à Goriac. Ouais, et... à mon ami barbare. Il y en a marre d'être ici. On va bien bouger fort, là. Si, t'avais remarqué un truc spécial dans c'est la pièce, mais on sait pas dingue. Pourquoi. Ouais. Bah après, tu peux jeter un œil, hein, écoute, hein, c'est gratuit, hein, donc tu peux jeter un œil hein, si tu voulais. Oh, bah, moi je vais jeter un œil ici, où je suis là. Tu savais déjà qu'il y avait rien. C'était pas le problème, il y avait rien dans cette salle-là. Il y avait pas de jetons. Allez. Très bien. Donc, c'est à Maître Nain. Bon, alors, moi je vais continuer mes recherches. Je vais continuer mes recherches parce que forcément il n'y avait pas. Pas moi. Tu me fais un jet de désamorçage de piège. Ah, forcément. Lancer un dé de combat si on ne tenait pas de bouclier noir, d'accord. Ok, donc c'est en défense, c'est ça? Oui. C'est un seul dé que tu lances, hein. Un seul dé. Ah, ok, pardon. Très bien. Oh, ça réussit. Très très bien. Tiens, tu peux parfait, reset, monsieur. Merci. Alors, du coup, qu'est pas ça? Genre, il faudrait que je retrouve mon truc. Je sais plus où c'est, mince. C'est le bazar, hein. C'est le bazar. Hein. Ce mec n'est pas organisé, c'est une catastrophe. J'ai setup mes caméras, mais voilà, c'était bon, c'était celui-là. Donc. Ici, il y a un passage. D'accord. Je vais me déplacer. Dans cette direction. Ok, ok. Quatre. Très bien. Quand tu t'approches de la chose et que tu poses ta main dessus, c'est chaud. C'est chaud. J'avertis Goriac que j'entends. Il est loin, ça va te faire hurler. Ah bon? Ah bah je ne hurle pas. Mm-hmm. Je ne hurle pas. Et est-ce que je peux distinguer ce que c'est? Si c'est chaud. Si c'est chaud, je peux distinguer ce que c'est ou pas? Tu peux. Bah c'est un mur de pierre. Tu l'actives par le biais en fait d'un motif en relief en pierre qui est dans la fresque murale. Et en fait, tu le décliques pour déverrouiller la porte. La porte, d'accord, qui est beaucoup plus haute. C'est pas une petite porte de la taille d'un nain. Ok. Donc ouais, là, ça sent le troll ou un truc comme ça. C'est une belle porte. Assez large. Porte. Ouais. Tu et sens même qu'il y a une partie qui doit être abîmée ou arrêtée, puisque... En fait, de l'autre côté, de l'autre côté du coffre, de ce côté-là, ouais, y a un motif aussi, mais lui qui est déjà activé, mais par contre, bah ça n'a pas bougé, donc ça devait être genre une porte à double battant, okay, de 3 mètres de large, un truc balèze. Et est-ce que, en tant que nain, je peux savoir les uns ce que ça signifie? Ça pourrait te faire plein d'hypothèses, ça pourrait être une forge de nains, ça pourrait être un puits minier volcanique.
de une forge côté. De nains dans un village barbare. Ça pourrait être... Ça pourrait être n'importe quelle pièce extrêmement chaude d'une taverne. Mais ça serait plus bruyant probablement. Les portes sont lourdes. Donc quoi qu'il y ait derrière, ça pourrait être quelque chose de très important. Ça pourrait être une salle au trésor. Maintenant, de ce que tu connais de l'architecture du donjon, tu sais que, étant donné que cette pièce ne doit pas faire plus de 5 mètres de profondeur, ça restera quand même pas mal les choix, et du coup, c'est étonnant d'essayer de savoir ce que c'est, quoi. C'est très étrange. Ouais, tu vois, je pense que, vu que c'est une lourde porte, je me dis que même si, si j'appuie, ça peut interpeller mon ami Goriak. Pour le coup. Si tu la déplaces, de toute façon, ça s'entendra. Ah, ok. S'entendra. Punaise. Bon, bah, direct j'appuie. T'appuies, t'ouvres, tu rentres. Ouais. Ah, il porte ses couilles. Et t'es obligé de rentrer quand tu pousses cette porte. Ouais. T'es obligé d'avancer d'une case, je te le dis. Pour le coup, j'avance. Très bien. Oh, merde. Et comment... excusez-moi, mais monsieur... Monsieur le seigneur du chaos. Comment est-ce que c'est possible? Comment t'as que vous soyez là. bonjour. Ça pue un peu du cul, hein. Et d'ailleurs, ça se forge plus par là. Hop là. On voit pas ses stats quand ça se fait. Ouais, c'est vrai, on les voit pas. Il est trop balèze. Ah, on voit pas ses stats. Et pourquoi il porte une hallebarde et un bouclier? Moi, j'ai pas le droit normalement. J'ai pas codé ses stats. J'ai pas codé ses stats. Fichtre, je vais prendre tellement cher. Du mal contre un squelette, il te faut du défi peut-être. Ouais, là c'est vrai. Ouais, plus c'est dur à tuer, mieux c'est. Hein. Allez hop, on y va. J'ai prévu quelque chose moi à tous les coups. 800%, je sais que je suis un génie, j'ai prévu quelque chose. Attendez. Je suis un génie, je ne peux pas laisser une telle faille scénaristique. Oh, si tu connais les trucs. Oui, je pense qu'il a un point, un dé de défense. Je sais très exactement ce qu'il a. 2 points d'attaque. Je sais très exactement ce qu'il a. On devrait pas savoir. Yeux. Oui, mais les monstres standards ont été codés comme ça dans HeroQuest, donc je voulais garder. C'est plus funeste, ça vous évite quand même de vous prendre des grosses poutres. Je pense que vous payez déjà assez cher comme ça. Moi, je préfère corser un donjon et vous rajouter des choses que de vous maintenir dans une certaine obscurité et vous prendre des baffes parce que vous saviez pas. Ou boire des trucs que vous ne connaissiez pas, par exemple. Maître Nain. Oui. Tu te chies dessus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Alors là, pour le coup, je me dis quand même. Est-ce qu'il me voit rentrer? Tu vois, je pense qu'il me voit rentrer. Il m'a vu rentrer. Est-ce que je peux voir s'il est tourné vers moi? Il peut se barrer quoi, là, non? Oui, non, mais il te voit. Il me voit. Il attendait que toi. Il t'a attendu toute sa vie. C'est vrai? Ma visite va être bloquée là, non? De quoi? Bon, bah, allez hop, on fonce dans le tas, non? Alors, cette pièce est somme toute une pièce quelconque, construite un peu comme le reste du donjon, mais le sol, lui, a une dalle dessus. En fait, c'est une dalle qui a été ajoutée. Probablement qu'en dessous, il devait y avoir une vieille mine naine. Et que ça, c'est une forge qui a été rapatriée. Tu sens que ça n'a pas été construit dans le moule, dans l'esprit nain. C'est dans les nains, c'est presque très moulé. C'est-à-dire qu'on taille le maximum dans la roche, dans un sol et même bloc de roc. Tu sens que c'est des pièces qui ont été remontées, en fait, déplacées ou ce genre de choses. Voilà, donc t'es dans un simulacre ou dans une forge reconstituée de nains, mais pas par des nains. C'est pas fait par des nains à la base. Voilà. Enfin, ça n'a pas été fait par des nains. Par Grimgi, on nous a volé la forge. Est-ce que j'aurais pas une petite potion de force et je le foncerai pas dedans, tu vois, dans le lard, pour essayer de le pousser dans la forge naine. Je sais pas si c'est possible. Tu veux le pousser dans la forge? Ouais, avec en buvant une potion. Je prends plus méchant, mais enfin le mec, c'est limite une armure de Space Marines, hein. Avec limite un pavois. Pour le coup, vu que c'est plus lourd, ça tombe mieux, donc forcément. Toi, tu dois faire 1m20. Ouais, 1m20, mais c'est 1m20 de muscles. Alors, la créature qui est en face de toi, parce que c'est une créature, hein, ce n'est pas un être vivant, hein, c'est une créature à ce niveau-là. Hein. Tu sens que c'est le genre de créature qui ne bougera que s'il veut bouger. Ou alors, t'as un pote de type gargouille ou dragon qui traîne dans le coin, qui peut déplacer ce genre de choses, quoi. Parce qu'on en est là, quoi. On en est en style soldat de plongéant, quoi. D'accord.
Donc t'es dubitatif. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, là je suis très dubitatif. Parce qu'en plus je peux pas fuir, j'ai pas beaucoup de... j'ai à peine de... pour pouvoir le courir. C'est quand même la meilleure idée de reculer, mais si t'as le droit. Pardon ? C'est quand même peut-être la meilleure idée de reculer s'il t'autorise. Est-ce que j'ai le droit de reculer alors ? Ah oui, tu peux fuir. Arrêtez de jouer avec les décors s'il vous plaît. Merci. Ouais, s'il vous plaît. Ok, je me déplace de deux en arrière. Et pour la même en me déplaçant, genre je fais Goriak, Goriak, j'ai des soucis, il y a un seigneur du chaos. Et pour le coup là, je gueule vraiment, genre je gueule panique à bord, il y a des soucis, j'ouvre les portes qu'il ne faut pas, tu vois. Très bien. C'est la deuxième C'est la deuxième porte que j'ouvre et bordel. Très bien, très bien. Fin du tour du nain. Début du tour du chaos. Le chaosiste arrive, il défonce la deuxième porte, il la pousse, il explose ce coffre qui traîne devant lui en marchant dessus comme si c'était une brindille, aux F de ses morts. Il arrive, alors lui il a une hallebarde donc il tape sur les côtés, il sent un pont de l'arrêt. Hein, il tape sur les côtés, il s'en fout, il n'a pas besoin d'être devant toi. De toute façon, il n'a pas décidé de te taper. Il a décidé d'invoquer un sortilège du chaos. À quoi ça sert d'être un sorcier du chaos si on peut pas sortir de... si on peut pas sortir Il est pas là pour s'emmerder. Voilà. Oh punaise, j'en ai marre de ma vie. J'ai perdu ma carte. Oh, il a volé. Oh lol, c'est pas rigolo, j'ai perdu ma carte. Attends, je l'ai mise. Ah, c'est bête, il a perdu des connaissances, mais c'est vrai qu'après tout ce temps, il était enfermé. Voilà, il a un peu perdu la main, hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il est aussi actif, ce seigneur du chaos? J'ai une carte qui est apparue chez moi. Il était bloqué. Il a pas de main. C'est qui parle? Je sais pas. C'est moi. Ouais, c'est il a une carte noire. Carte noire, il a pas. J'ai une carte de roue, moi. Attends, je la mets dans la salle. Mais non. Lâche. Mais c'est pas moi qui l'ai. Mais lâche, même le nain, mais merde. Ah, c'est pas possible, quoi. Vous êtes tellement décidant, quoi. C'est incroyable. Pour la peine, je vais vous faire ça tellement vous êtes chiant. Je l'avais prévu d'être plus cool, bah je serai plus chiant. Tu m'as littéralement envoyé tout ton deck dans ma main. Oui, j'ai envoyé tout mon deck et tu regardes pas tout mon deck, merci. Oui, c'est pour ça que je les flippe. J'ai eu un petit incident majeur. De dégâts de collision de cartes, je ne sais pas pourquoi ça a bugué, ça t'a tout envoyé. Alors que moi je devais les piocher, ou alors parce que j'avais pas assez de place pour les piocher, donc il a... Il les a split... Non, c'est pas ce que j'ai demandé, stop. Mais merde, mais attends, ça va vraiment me saouler comme ça, là? Du coup, cette carte noire, c'est quoi? T'appuies sur G, c'est pas bon? Ah oui, c'est G pour les recoupes. GG. Hein? Mais non. Quelqu'un a supprimé les cartes ou elles sont toutes là? Ah non, je sais pas. Non, elles sont toutes là, il y en a 25. Bon. Non, moins une, ouais, c'est ça. Paf. Elle est là. Oui, c'est ça, ça a bien mélangé mes autres trucs. Ouais, putain, ça a tout mélangé, quoi. Oh, ma vie est horrible. Allez. Écoutez, je vais pas faire ce tri-là, hein. Je vais le faire plus tard. De toute façon, il n'y a pas besoin de... Ah, ouais, attendez, ça risque d'être assez rapide, en fait. Ça a bugué. Très bien. Eh ben, écoute, petit sort d'ogre dans ta bouche. Voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Lol, trop bien. Tu kiffes, c'est ta passion. Non, ça, c'est pas ça. Faux. Vous pouvez pas dire que je mets de la merde en fait. Oui, non, mais j'étais en train de regarder, je disais c'était pas un sort d'ogre. Je me disais aussi. Écoutez. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Ouais, c'est celle-là. S'il veut arrêter de me mélanger mes cartes n'importe comment. En fait, le problème, c'est que si je surplombe une carte avec d'autres cartes... Donc, laissez un ordinateur pour savoir combien d'ogres guerriers peuvent apparaître sur des cases libres qui vous sont visibles. Ces ogres peuvent bouger et attaquer immédiatement. Immédiatement. Non, mais c'est bon. Hein. Donc, un dé à 6 faces. Voilà, vous aviez pas qu'à être dissident. Quoi? Mais j'ai pas été dissident, il y avait juste une... C'est quoi? Je vais même pas aller voir le nain. Oh là là... Oh. De ce point de vue-là, je suis content d'être un orc. T'inquiète pas, tu vas pas rester. Non, 4 orcs, je vais vous tuer. Si je sors 4 orcs, je vais vous tuer. On va arrêter les conneries. Je voudrais retrouver le sort de l'orc. En fait, pour faire correctement, c'est un sort d'invocation d'orc. Donc, faut que je retrouve mes orcs. Bon, je suis désolé, ça va prendre le temps que ça prend. YouTube, t'avances dans la vidéo parce que tu sais que j'ai pas l'intention de couper quoi que ce soit. Mais alors, genre, hors de question,
Tu veux pas faire un search, ça marche pas sur ton deck là? Moi si je fais 1, il envoie la carte à qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui l'ai. J'en ai une. Vous avez tous une carte là? Ah, ça distribue une carte au joueur. Ah, c'est Thug Life hein. Je peux garder celle-là, elle est bien. Non, tu peux rien garder. Et vous ne les lisez pas surtout en fait, c'est ça qui est cool en fait. Ah oui, ils arrivent à l'endroit alors. Ouais, je sais, mais bon. Tiens, vous les lisez pas par RP quoi. Ah, c'est un peu chiant hein, c'est formidable, hein. Je suis désolé, hein. c'est bien relou, hein. J'en ai bien conscience. C'est pas grave. J'en ai bien conscience, mais parce que je sais pas qui a codé cette merde. Qui a codé cette merde? Vraiment, c'est une Il faudrait peut-être que tu récupères ton sort de chaos dans ma main. Oui, c'est pour ça que tu dois pas le lire et le poser. Elle est toujours flip, mais elle est dans ma main encore. Oh putain. Il vous a vraiment. Mais c'est même pas ça, il vous a distribué genre 2 cartes par tête quoi, c'est quoi le délire? Non, moi j'en ai reçu qu'une. Non, moi aussi. On va dire que ça va, je m'énerve pas. On va dire que je suis zen. Je suis un mec zen. En plus, c'est pas du tout en train de ramer, du coup. Ça fait plaisir. Éclair foudroyant non plus. Hop. J'ai. Non, pas F, on s'en fout. Pouf. C'est plus sa petite musique qui me stresse, je recule. Le retour, c'est ici. Ça va là. Ça va là. Donc, à part. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Ah, ça, c'est l'appel des morts. Là, il y en a un qui maîtrise ça. Oh là là. Nous, je vais. Qui fait de la maîtrise d'appel de mort. Oh putain, je suis désolé. C'est tellement chiant. Ah, c'est bien chiant. Hein. Je peux pas même me les tirer dans la main parce que sinon, je vous les lance en fait. Je vous balance toutes les cartes du monde. Oui, on entend un truc. Foudre magique. Hein, c'est pas foudre magique, mais ça sort du chaos ça. Excusez-moi, on entend une vidéo. On entend un truc en tout cas. Il y a quelqu'un qui mate un film de boule derrière, visiblement. Antonin ? Oui. Ah bon ? Bonjour. C'est pas bien, faut arrêter les boules. Hein. De quoi ? Alors, je suis dégoûté, c'est pas le cas. Mais bon, déjà, dans mon notebook, je vais mettre ne plus ouvrir les portes. Si tu sors en vie, n'ouvre plus de portes. Jamais, hein. Jamais t'as envie. Oui, justement, si tu t'en sors. Mais je suis chiant. Arrête, déclique-moi cette carte là. Voilà. Youpi, c'était la dernière. C'est la dernière ou il y en a encore de là-dessous? Vas-y. Il y en a encore? Pourquoi tu rigoles? En tous les cas, c'est celle-là. Il y en a plusieurs là-dedans ou il y en a qu'une? Il y en a qu'une. Rapide? Je crois qu'il y en a plusieurs, non? Non, je sais pas. Bon, peu importe, on voit que celle-là. Voilà, bon bref, je suis censé faire un 6, un des 6. J'avais fait un 4, donc c'était 5 orques, donc c'est la teuf, allez des orques. Allez des orques. Des orques un peu une fois, voilà, des orques une fois. Il est où le nain là? Il est où le nain? Paf! Non, ça c'est des zombards, merde. Oui. Bon, c'était pas des zombards qu'il fallait. C'était des orques. Des orcos. Des orcos. Des orcos, merci. Si ça veut bien venir. Oui, youpi, incroyable. Paf, allez. Non, enlève tes doigts de là. Enlève ta main pleine de doigts là. Je crois que je te vois pas là. Mets-moi ta main pleine de doigts. Pas de raison de pas te violer le cul quoi, on est d'accord. Hein. Ce serait quand même. Chercher le lecteur MP3 pour lui foutre un coup de masse dessus. Paf! Coucou. Non, pas coucou là. Coucou ici. Coucou, Ibo! Coucou! Alors, on va voir si finalement le nain ne regrette pas ses amis des squelettes. Moi, je pense que c'est vachement important que les gens se souviennent. T'es sûr de vouloir le faire maintenant? Knarfang. Oui, quoi? J'ai tué personne, ça va, calmez-vous. Non, y a pas marqué que l'appel des orques permet pas de faire attaquer. Faites apparaître des orques, lancer un dé ordinaire. Oui, et alors, c'est quoi le problème? Laisse-leur le temps d'apparaître. Ouais. Attends. S'il te plaît. S'il te plaît. J'ai pas saisi c'était quoi le problème en fait. Non mais ils peuvent pas attaquer tout de suite. Non ça c'était pour le cas des ogres. Et c'est pour ça que je t'ai dit je vais vous tuer instant si je vous lance ça à la gueule. Ouais c'est donc, vrai. Donc je l'ai pas fait. Ouais c'est cool. Non c'est cool. Les orques ils ne font que apparaître. Et ils te regardent avec quand même beaucoup d'appétit. Moi aussi. En parallèle.
Donc voilà. Voilà pour ce mouvement du Seigneur du Chaos absolument incroyable. Le problème c'est que bah, c'est le tour des orques, mec. Hein. On est dans le tour des méchants. Hein. Eh oui, c'est un sort. Ils peuvent pas attaquer tout de suite. Ils peuvent pas attaquer tout de suite. Eh si, bien sûr que si. Il y a aucune raison. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. C'est... Mais... Non mais les ogres c'est instantané quand ils apparaissent. Et en plus de ça, ils jouent après pendant leur tour. Ce qui est génial. Donc les orques vont te tabasser, ils vont te violer le cul. Moi j'en ai marre de te voir. Je trouve que t'es vraiment quelqu'un de désagréable. Tu veux pas tuer mes monstres ou tu veux pas te faire tuer par mes monstres. Je pense qu'à un moment donné, bah voilà, il faut que ça change. Donc, et l'elfe ne sera pas mort le premier et le attaque. Magicien sera pas mort le premier. Yes. Avec un peu de chance. Un crâne. Un crâne. Allez. Oh putain. Tu perds un point de vie. Ah, bon, bah, chose, je crois qu'on va retrouver du hachis de nain. Hein. Ouais. Zéro crâne, tout va bien. Dernière attaque. Ouais. Si, tu meurs, si tu meurs, je peux récupérer ton loot. Non. Yes. Un crâne. Allez, yes. Je pense que tu peux le faire. Tu peux le faire, moi j'y crois à mort. J'y crois à mort. S'il te plaît. Yes, Gurumgi. C'est bon, il a défendu. Il est encore en vie. Et il est blindé de points de vie. C'est la caisse à pêche du groupe. Il y aurait genre au moins deux. Ça veut rien dire. Formidable. Ah, yes. Eh bien écoutez, je pense que c'est un bon moment pour mettre fin à un épisode beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Bien que... Est-ce que le nain va s'en sortir ? Ouais, non, bah la réponse est non. Va sortir du donjon ? Non plus, mais si, le barbare il est tout feuneux ! Le barbare il est tout neuf ! Le barbare il est tout feuneux ! Genre il est jamais venu quoi en fait, c'est l'impression. Ah non, 6 points de vie, non, il a pris des baffes. J'en ai perdu 2. Tout le monde a pris... Oh putain, ah oui, ils avaient pris cher. Oh, j'avoue, je suis pas vos points de vie du tout. Ouais, c'est l'elfe qui a le plus la pêche et le barbare quoi. Wouh ! Ah non, moi je suis en forme, mais j'en ai perdu 2 quand même. Allez, donc c'est la grosse fête. Sur ce, on vous remercie YouTube, hein. Mets des pouces bleus, partage si t'aimes, si t'aimes pas, partage quand même. En fait, si tu aimes, tu partages à des gens qui aiment le jeu de rôle, tout ça. Et si tu n'aimes pas, tu partages à des gens que t'aimes pas. Voilà, c'est génial. Es-tu d'accord avec la manière de fonctionner du MJ? Dis-le-nous dans les commentaires. Exactement. Ça nous intéresse énormément. Est-ce que t'as déjà partagé une vidéo que t'aimais pas à quelqu'un que t'aimais pas? Voilà, parle-nous dans les commentaires. Allez, des bisous.